organisé de nombreuses expositions collectives ou même uniquement avec sa peinture, notamment à Montpellier, à Sète. Et puis, il est exposé dans une galerie de la banlieue parisienne. Donc, je vous invite à aller voir son site, vous verrez plein de belles choses. Il est malheureusement décédé en mai 2016 et il a demandé à sa nièce, Nathalie Duhamel, de faire vivre son œuvre. Chose qu'elle fait en tant que Gijanaise en choisissant, on a cette chance, Gijan et cette salle pour la première expo commémorative en fait, du travail de Daniel Kless qui cherche à retracer tout son travail en partant de plus figuratif pour aller plus vers l'abstrait. Et puis vous pourrez peut-être même découvrir, vous avez déjà découvert un petit coin coquin. Voilà. Donc les peintures de Daniel Kless sont une célébration de la couleur, c'est, mais on peut quand même le dire, même si ça se voit. Hein. Ce sont des œuvres qui sont réalisées avec un désir d'interactivité, me disait bien Nathalie, qui peut aller jusqu'au plaisir physique ressenti face à une peinture. Donc voilà, et vous pourrez, je voulais vous dire aussi un tout petit mot, c'est que vous pourrez voir dans le hall de la mairie un tableau de Daniel Kless, puisqu'il y a une expo en mouvement qui va s'effectuer dans le hall de la mairie où on changera le tableau tous les deux mois hein, environ. Donc ça, merci beaucoup, ça fait vivre et l'œuvre de l'artiste, mais aussi le hall de la mairie, donc c'est bien. Et Daniel Kless avait l'habitude de dire que si la peinture a une fonction, c'est comme la musique, une occasion parmi d'autres de rassembler les êtres et de leur apporter cette part de rêve vital avec la couleur comme seul matériau. Donc je pense que ce soir, là, on fait bien honneur à cette phrase-là qu'il disait. Et puis juste un tout dernier mot. Pour vous parler de, vous avez peut-être vu à l'entrée sur votre gauche ou sur votre droite en sortant, il y a l'association Rêve qui est là, donc qui s'occupe d'accompagner des enfants malades. Peut-être que vous connaissez déjà, sinon allez les rencontrer, ce sera l'occasion qu'ils vous racontent un petit peu ce qu'ils font. Alors pourquoi? Parce que Nathalie a beaucoup travaillé avec des gens malades et avait envie de rassembler ces deux fortes compétences et ces deux forts mouvements dans sa vie. Et donc, ces deux grandes dimensions et tous les bénéfices des ventes de ces cartes iront à l'association. Donc, merci beaucoup à Nathalie, à qui je vais céder la parole, d'avoir organisé, non pas complètement toute seule, mais elle va le dire, avec Yves, toute cette exposition. Merci beaucoup. Bon, eh bien moi, à l'inverse de Gaëlle, je n'ai pas préparé de discours. Je tiens simplement à parler de mon oncle, qui était un homme très, très viscéral. Ça, vous pouvez le voir dans ses peintures. Chaque période de sa vie est représentée. Quand il n'allait pas bien, c'était une période noire. Pendant 20 ans, il a vécu une période bleue, qui était une période de latence. Et un jour, il a rencontré une femme qui lui a fait découvrir la couleur. C'était il y a 10 ans. Et il s'est mis à exploser en couleurs. Il a découvert le jaune, le vert, le rouge, comme vous pouvez voir. Cette femme, c'est grâce à elle que nous faisons cette exposition ce soir, puisque c'est son héritage. C'est Agnès qui est ici, la femme de mon oncle, sa dernière femme. Voilà. Je vous présente donc son fils Yves, qui m'aide à faire perdurer, et en espérant qu'on puisse encore en faire beaucoup, et en faire d'autres et faire découvrir à beaucoup de gens la peinture de Daniel et continuer à le faire vivre au travers de sa peinture. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce qu'il m'a demandé au moment où il est parti. C'est de continuer à le faire vivre dans son œuvre. J'espère que vous aurez tous apprécié ses peintures. Je vous souhaite un très bon apéritif. Accessoirement, il y a un petit coin pour adultes de ce côté-là. Une dernière petite chose, je tiens à
absolument à remercier la municipalité de Gijan, Monsieur Vaute, Gaëlle qui est ici, Florence qui s'est investie comme une sauvage dans la communication. Sans la mairie de Gijan, je n'aurais jamais pu faire cette exposition. C'est la première que je fais de ma vie. C'est un travail monstrueux et sans eux, ça n'aurait pas eu lieu d'être, franchement. Merci à la municipalité de Gijan d'être encore présente sur ce genre de thèmes, de sujets et d'encourager les Gijanais à faire évoluer l'art. Merci beaucoup. Donc voilà pour l'association Rêve. Je vais vous laisser présenter l'association. Merci beaucoup. Donc moi c'est Jean-Claude D'Amato. Je suis le responsable de la délégation donc, de l'Hérault, du Gard et de la Lozère. L'association Rêve, c'est l'association qui réalise le rêve des enfants très gravement malades, dont la médecine ne se prononce plus ou reste réservée. C'est une association qui date de 1994 et nous avons réalisé à ce jour près de 5000 rêves. Le dernier rêve réalisé, le 5000e, a été à Top Chef sur M6. Ça s'est hyper bien passé et on en est très très content. Nous allons passer maintenant cette année en intérêt public car nous étions intérêt général. Et c'est une association qui aujourd'hui a 37 délégations en France, 800 bénévoles. Et nous avons, avec les hôpitaux, 60 conventions réalisées. Voilà ce qu'est Rêve. Je vous remercie. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler avec Rêve au sein de services hospitaliers tels qu'à l'Institut Gustave Roussy et à Necker. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé juste évident, comme disait Gaëlle tout à l'heure, de rassembler des choses qui me tiennent à cœur, à savoir mon oncle, la peinture et le côté soignant, et notamment l'aide aux enfants, ces enfants qui ont un pronostic vital qui est plus qu'engagé et auxquels on accorde un dernier rêve qui parfois les aide à avancer plus longtemps, leur donne un espoir plus long dans la vie.